c'est Aldette les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout simplement. Aujourd'hui les gars, je me suis dit pourquoi pas faire une draft. On sait que toutes les team of the season sont désormais balancées. Donc il y a quelques heures la TOTS Turkish League ainsi que l'autre TOTS, je me rappelle plus de son nom. Donc je pense que toutes les TOTS sont disponibles mis à part celle des États-Unis. Donc on va essayer de faire un meilleur draft possible. Donc en termes de collectif et en termes de notes bien sûr, donc une draft classique avec tous les TOTS tout simplement. Je me suis dit que ça serait une bonne occasion de faire une full TOTS. Donc on va voir les compos sur lesquels on est tombé les gars. Donc il y a du lourd. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur sur du 4-3-3 défensif, du classique. Du 4-3-3 défensif. Et on tombe directement sur, voilà, je vais prendre Nainggolan sans hésiter. Donc c'est un très très bon joueur. Voilà, rendement élevé, élevé. Voilà, je vais prendre Nainggolan. Très très bon joueur. Allez, maintenant on va passer un peu au banc. Parce que je la sens pas trop cette draft, mais on va voir quand même. On va essayer d'avoir du lourd. Ouais, c'est du lourd ça. Donc ouais, Ronaldo sans hésiter. Voilà, Ronaldo 99. Ouais, je prends quand même Charaoui, pourrait faire l'affaire. Allez, on continue. Insigne, ça fait plaisir. Donc je vais prendre Insigne pour faire le lien avec Nainggolan. Je pense qu'on partirait plutôt sur une Serie A. On va voir ça. Allez, on continue. Oui. De bons joueurs. Ouais. Ouais, je pense qu'on va prendre quand même. Je sais pas trop. Ouais, je réfléchis un peu les gars. Allez, on prend Alexandro, un petit plaisir. Mais si je sais qu'il y avait Bale et là-haut, là. Tevez, il faut y réfléchir. Hein. On y réfléchit à deux fois Tevez. Regardez-moi ces stats les gars. Franchement, on peut pas passer à côté. Je prends Tevez. Ouh là là les gars. Là, je suis en train de me perdre un petit peu. Suarez. Allez, Suarez les gars. Voilà, je pense que je vais prendre Di Maria. Ouais, on prend Di Maria. Ah, oh là, les gars, là ça commence à partir dans tous les sens, franchement. Mais je m'en fous, moi, tant que j'ai bon joueur, ça va. Et là, on va prendre, ouais, Barzagli pour lien avec Alexandro, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Bonucci. Franchement, une belle équipe. Oh, Ruffier, non, pas Ruffier. Navas, ouais. Qu'est-ce qu'on prend, les gars? Ouais, je prends Navas. Allez, on va continuer à prendre le buteur. Déjà, on a de très très bons buteurs, donc c'est que du bonus. Ah, l'attaquant gauche. Oh là 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 là. Regardez-moi cette draft. Le défenseur gauche, ça va être. Ouais, on prend quand même. Ouais, je vais prendre CDB pour la note. On continue, les gars. Le défenseur central, Godin pour la note. On continue. Ouais, du très très lourd encore une fois. On prend du Chiellini. Voilà, j'avais pas vu. Pour le lien avec tous les joueurs. Regardez-moi cette équipe les gars, franchement. On va concocter ça et on va se retrouver dès que j'aurai fini. C'est parti. Ouais les gars, je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc voilà notre draft final. Franchement, c'est extrêmement lourd. On va choisir un entraîneur tout de suite. Ouais, on va voir celui qui pourrait faire l'affaire. Ouais, 93, c'est plutôt pas mal. 92, 91. Donc on va prendre Massimiliano Allegri. Donc voilà, une très très belle équipe. Il y a juste Hull qui fait bémol. Mais bon, c'est un bon joueur et on va pas s'en plaindre tout simplement. Voilà, j'ai envie de dire. On pourrait mettre lui, mais voilà, ça va pas trop nous convenir. Insigne. Ouais, Insigne nous convient plus. Donc on va mettre Insigne. Donc une équipe franchement très très lourde. 91 de général. Voilà, donc voilà, j'ai rarement fait mieux franchement. Même si le collectif n'est pas franchement à la hauteur, on s'en fout, j'ai envie de dire, on s'en fout. On va tout de suite lancer un petit match, on va se retrouver les gars. Ouh là là, on tombe sur du 190 avec du Bel MOTM. Cette carte me fait envie franchement. Et quand même plus 5 par rapport à sa carte originale. On va essayer de faire du lourd les gars, c'est parti pour le match. Attention à Gareth Bale que je viens de louer. Mais c'est pas la peine de se montrer dans ce match s'il te plaît. Parce que là j'ai envie de gagner ce match. Franchement j'ai une draft de fou. Attention à Bale, attention. Voilà, il y a corner. L'adversaire il nouait la pression d'entrée. Allez, mais on veut jouer quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à notre adversaire? Il a bien fait un changement je crois. Trois changements d'affilée. Hulk, Stéphane Ruffier et Benzema Tudy qui rentrent. Donc voilà, il s'est dit voilà, je fais rentrer mes meilleurs joueurs. Allez Suarez. Allez Suarez, t'as 98 de notes. Montre-nous de quoi t'es capable. Poteau. Lance-moi. Ah, dommage. Par contre, il faut pas décoller dans ce match parce que franchement, j'ai une draft. Si je gagne pas, je sais pas avec quoi je gagnerai. Même si la draft, c'est toujours un peu compliqué. Vous le savez très bien. Allez, ouais, Suarez, c'est bien ça. Allez, vas-y, Neymar. T'es tout seul. T'es pas tout seul, mais c'est pas grave. Pour Suarez, le tir. Oh là là, Suarez, il a 99 de tir et une frappe 2. Allez, Ronaldo. Vas-y, pour Insigne. Insigne, redonne-moi ça à Luis Suarez. Luis Suarez. Ouais,
essayer de continuer comme ça. Il blesse quand même. Allez, Trashoras, t'es le moins bon joueur de l'équipe, mais c'est pas une raison pour mal jouer. Allez, vas-y, Insigne. Oh, il est très agile, lui. Oh là là là, les gars. Franchement, cette équipe, je la sens très très bien. Il y a coup franc. On va le tirer avec le petit Nainggolan. J'ai envie de tester. Il a de bonnes stats. 90 de puissance, précision moyenne, mais on va essayer de mettre ça. Normalement, c'est au fond. Oh, c'est au fond, les gars. Franchement, on est très très chaud. 2 buts à 0. Un coup franc magistral de Nainggolan. Et voilà, 2 à 0. L'adversaire ne peut rien faire, les gars. Insigné. Et la frappe de Nengo. Wow, les gars. On a de la réussite. Mais c'était une belle frappe. Elle est contrée par mon adversaire qui va, je pense, rage quit. Parce que à sa place, j'aurais rage quit. Attention. Non, là, il y a but. Ah là là, il y a but. Il y a but, les gars. Pour Ronaldo. Non, on va l'arrêter. Il faut pas lui laisser d'espace. Surtout pas. Allez, Demarcos, fais ton job. Ah non, mais. Cafouillage total. Oh là là. Ah là là. On se prend un but bête, les gars. 3 à 2, ça devient dangereux. Il faut se réveiller. Ah, il y a but. 3 buts partout, les gars. Je vous l'avais dit. Hein. J'aime pas que les matchs soient trop longs comme ça parce que je les perds souvent. On va pas faire de changement. Mais voilà, on va reprendre le match. Ah, vous voulez pas de prolongation. Voilà, bien joué, Godin. Ah là 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 là. Coup de chance et but. But. Tout dire. Ah là 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 là. Un but sale en plus. C'est difficile à accepter. Mais bon, on va être fair play. Ah non, Ronaldo. Salut.